Chez Apotex, nous croyons que tout homme, toute femme et tout enfant a droit à des soins médicaux abordables et à une vie exempte de douleurs et de souffrances. Depuis plus de 35 ans, nous avons su relever les défis actuels et futurs et nous avons travaillé avec acharnement pour bâtir une industrie pharmaceutique canadienne florissante. Grâce à une importante stratégie d'intégration verticale, nous avons mis sur pied une infrastructure scientifique et manufacturière inégalée en ayant pour objectif d'être à l'avant-garde des génériques. La fabrication, la technologie et la science sont les principales caractéristiques de notre position au sein de l'industrie pharmaceutique. Les besoins à l'échelle mondiale pour des médicaments de qualité à un prix abordable sont considérables. Nous avons bâti des installations et mis sur pied une équipe de recherche et de développement. De plus, nous avons la technologie qui nous permet de répondre aux besoins en soins de santé du monde entier. Issus d'efforts d'entrepreneuriat et dotés de solides racines canadiennes, Apotex est aujourd'hui la plus grande société pharmaceutique appartenant à des intérêts canadiens. Elle compte plus d'employés et d'installations que toute autre société pharmaceutique au pays. Sa capacité de fabrication est plus importante que celle de toutes les sociétés multinationales mises ensemble appartenant à des intérêts étrangers et établies au Canada. Le groupe des sociétés d'Apotex s'est positionné pour l'avenir en adoptant un plan stratégique et un énoncé de mission simple. Bâtir l'une des sociétés pharmaceutiques les plus florissantes sur les plans de la recherche et du développement, de la qualité, de la fabrication, des ventes et du service à la clientèle. En 1974, alors que la société ne comptait que 2 employés et n'avait engendré aucune vente, personne n'aurait pu prédire son succès et sa croissance. Comptant parmi les toutes dernières entreprises pharmaceutiques appartenant à des intérêts canadiens, Apotex est en première ligne pour faire avancer la cause des soins de santé abordables. Nous sommes un chef de file de l'industrie au Canada, fournissant des produits sûrs de qualité, mettant au point une vaste gamme de produits et créant des solutions d'affaires pour nos nombreux partenaires. C'est ce que nous appelons être à l'avant-garde des génériques dans l'intérêt du système de soins de santé canadien. Notre investissement en l'avenir par un programme de recherche et de développement s'élèvera à 2 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. À l'heure actuelle, nous fabriquons plus de 300 médicaments offerts dans plus de 4000 présentations et teneurs. De plus, notre programme de recherche et de développement comporte plus de 600 produits au stade de la mise au point, des comprimés, tols et les produits biopharmaceutiques sur toutes les plateformes technologiques. Apotex accomplit cet exploit grâce à un leadership global et à la capacité de mettre au point des ingrédients actifs et des présentations finies. Nous fabriquons nos ingrédients actifs et nos présentations finies dans nos installations réparties dans différents pays. De plus, pour y arriver, Apotex emploie près de 2000 scientifiques, dont 110 titulaires de doctorat, sur un total d'environ 5000 employés au Canada. Les installations du groupe de société Apotex occupent 3,4 millions de pieds carrés en Ontario, ainsi qu'à Winnipeg, à Vancouver, à Calgary et à Montréal. Apotex se consacre aussi à la recherche de médicaments novateurs. ApoPharma, fondée comme entreprise distincte, en dirige les activités. Sa principale réalisation à ce jour est Feriprox, destiné au traitement de la thalassémie, qui a été approuvé dans 60 pays. Les chélateurs du fer destinés à d'autres indications font partie de la pépinière de produits. De plus, CanGene, une entreprise de biotechnologie bien cotée à la Bourse de Toronto et dont Apotex est l'un des principaux actionnaires, a lancé Winrho SDF dans le traitement de la maladie hémolytique du nouveau-né, ainsi que plusieurs autres immunoglobulines permettant de sauver des vies. CanGene a également d'importants contrats de recherche avec le programme militaire américain de biodéfense. Le groupe Apotex et ses installations sont reconnus parmi les meilleurs au monde, ce qui a incité la Food and Drug Administration des États-Unis, la Direction des produits thérapeutiques du Canada, l'Agence européenne d'évaluation des médicaments et la Therapeutics Goods Administration d'Australie à approuver bon nombre de produits. Ces homologations ont permis l'exportation de ces produits dans 115 pays. Plus de 35 % de ce que nous fabriquons est expédié ailleurs dans le monde. Nous voulons voir ce pourcentage passer à 50 %. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la mise au point des produits par Apotex inclut aussi des produits faisant partie du nouveau secteur de la biotechnologie générique. Le fruit de cette collaboration donnera lieu à une toute nouvelle catégorie de produits.
Apotex est aussi reconnu pour ses activités caritatives. À titre d'entreprise socialement responsable, Apotex verse des dons à des organismes caritatifs régionaux et à des établissements de santé et d'enseignement supérieur. Chez Apotex, nous sommes aussi fiers de dire que nous avons fait don de médicaments dans toutes les régions du monde touchées par des catastrophes ou des guerres. Il est important pour nous de contribuer aux collectivités. Certains de nos engagements d'importance les plus récents l'ont été envers les facultés de pharmacie des universités de Toronto, du Manitoba, de Montréal, de Saskatchewan et de l'Université Laval. Nous encourageons également nos employés à faire du bénévolat dans leurs collectivités respectives. Nous participons et appuyons activement la campagne de Centraide. Toutefois, notre force réside dans nos employés et dans notre vision. Nous avons mis au point le plan stratégique et nous avons fusionné nos nombreuses activités sous le nom d'Apotex. Notre objectif stratégique est de rester au premier rang au Canada. Voilà pour ce qui est des aperçus. Maintenant, faisons un rapide survol du groupe Apotex. Nous commencerons par notre siège social de Toronto, comptant 11 installations, dont certaines à l'avant-garde de la technologie de pointe. Nous avons connu une croissance constante au cours des 8 dernières années pour répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux en matière de soins de santé. Bon nombre de produits d'Apotex sont présentement évalués par les organismes de réglementation des États-Unis. Apotex est aussi un chef de file dans le secteur des médicaments génériques homologués. Les nouvelles installations de fabrication sont conçues pour tirer parti de la gravité dans le processus de fabrication. Des véhicules guidés automatisés font le travail le plus lourd. La fabrication se déroule d'un étage à l'autre dans des installations comptant parmi les plus avancées du monde sur le plan de la technologie. Les principaux éléments composant le campus du siège social sont des laboratoires de toute taille abritant un matériel technologique valant plusieurs centaines de millions de dollars. Le groupe de recherche biomédicale dispose d'une clinique de 104 lits. Il est possible d'y mener des études sur les médicaments génériques ainsi que sur des médicaments novateurs aux phases précoces de leur mise au point. À proximité du siège social se trouvent des installations de production spécialisées dans la fabrication d'antibiotiques. L'emplacement, à Etobicoke, est aussi un centre de recherche, de développement et de production à la fine pointe utilisant la gravité dans le processus de fabrication. Ces installations sont classées parmi les 5 meilleures au monde par l'International Society of Pharmaceutical Engineers. Les liquides et les solutions sont les principaux produits de l'établissement de Richmond Hill, un autre membre du groupe Apotex. À ces installations, qui ont connu un agrandissement d'importance, la fabrication des produits se fait à l'aide d'une technologie novatrice. C'est Apotex PharmaChem à Brantford, en Ontario, qui fournit les produits chimiques fins destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques. Il s'agit d'un membre clé du groupe Apotex, engagé dans la recherche et le développement de produits chimiques fins, conformément à notre objectif d'intégration verticale. D'importants travaux d'agrandissement ont été récemment menés à cet endroit afin de satisfaire aux exigences de notre programme en recherche et développement visant à mettre au point des centaines de médicaments. Au Canada, ces installations sont exclusives. Apotex Fermentation, située au Manitoba, fournit aussi au groupe des produits chimiques fins. Ces laboratoires et ces installations de fermentation sont à la fine pointe de la technologie dans la fabrication de produits comme les cyclosporines et les hypocholestérolémiants, comme la pravastatine et la simvastatine. Canjin, qui fait aussi partie du groupe de société Apotex, se consacre à l'important secteur de la biotechnologie. Ces installations au Manitoba font de Canjin l'une des entreprises de biotechnologie les plus importantes et les plus florissantes du Canada. Les activités du groupe mené au Manitoba se font sur le campus de l'Université du Manitoba et incluent des installations consacrées à la recherche sur l'ADN. Comme vous pouvez le constater, nous nous engageons à offrir des soins de santé abordables. Apotex et son groupe de sociétés jouent un rôle d'importance dans la recherche de haute technologie, la mise au point et la fabrication de médicaments au Canada. En plus de 35 ans, nous avons bâti une infrastructure considérable, créé des emplois pour des centaines de Canadiens et fait de l'innovation notre priorité dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas n'importe quelle société pharmaceutique. Nous sommes la Société pharmaceutique du Canada, à l'avant-garde des génériques.